What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler encore de Black Ops 3, mais attention, ça va être au niveau des caractéristiques, au niveau de la plateforme PC pour les personnes qui vont se le procurer sur cette plateforme là, pour savoir à peu près si finalement votre ordinateur est capable de supporter le jeu. À mon avis, pour toutes les personnes qui ont déjà, on va dire, un ordinateur de gaming, ça risque de passer assez facilement. Je vous fais afficher donc une image donc au niveau des caractéristiques. Donc ce qui demande au niveau de l'OS, de l'operating system, c'est Windows 7 64 bits, Windows 8 64 bits, Windows 8.1 64 bits, attention. Avec au niveau des bits, parce qu'il y en a aussi je crois à 32 bits, mais normalement les derniers ordinateurs et tout qui sont sortis ces derniers temps et tout, c'est en 64 bits. Voilà. Au niveau du processeur, je ne sais pas pourquoi c'est marqué ça, c'est très très bas pour moi en tout cas. Un i3, c'est marqué cadencé à 2,93 GHz. Au niveau de la RAM, il est conseillé d'avoir 6 Go. Après voilà, vous pouvez peut-être en avoir 4, en tout cas 2 Go à mon avis ça sera pas vraiment possible, mais en tout cas voilà, au moins avoir 4, 6 Go c'est même encore plus préférable. Au niveau de la carte graphique, donc une Nvidia GeForce GTX, etc, etc. Après il parle aussi de l'ATI, ce sont des cartes graphiques vraiment conçues dans le gaming, des cartes graphiques assez puissantes. Voilà. Au niveau de DirectX, donc c'est la version 11, donc ça c'est pas un gros problème. Et au niveau de la carte son et tout, c'est DirectX, enfin voilà, faut que ce soit compatible avec DirectX. Voilà, c'est une petite vidéo informative mais quand même assez importante pour les personnes qui veulent se le procurer et s'ils veulent savoir honnêtement si ils peuvent et bien tout simplement jouer correctement sur la plateforme PC. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, peace out.